était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à Lumière sur les ondes, votre programme de décryptage de l'actualité à la lumière de la parole de Dieu. Et nous sommes le vendredi 1er mai 2015. Nous souhaitons d'entrée de jeu à tous les frères dans le Seigneur travailleurs, bonne fête du travail. Et à ceux qui sont chercheurs d'emploi, nous implorons l'Éternel afin qu'il vous accorde sa grâce et que nous et que vos démarches prospèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, Lumière sur les ondes parle de la dîme, telle que présentée dans Malachie 3 au verset 10. Si certains évangiles enseignent que la dîme appartient à Dieu et que ceux qui n'en payent pas s'attirent la malédiction et la pauvreté, d'autres estiment par contre que la dîme est une dérogation des hommes et ne devrait même pas exister. Un contraste total qui obscure cette question et rend confus les chrétiens. Mais qu'est-ce réellement la dîme? Est-elle prescrite par Dieu? Pourquoi payer la dîme? Y a-t-il des conséquences dans le refus de payer la dîme? Lumière sur les ondes établit toute la lumière sur la question avec à ce micro Charlie Bacody, tonton Théo à la réalisation ainsi que nos invités, pasteurs, prophètes et évangélistes venus nous éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, bonne arrivée à tous. Lumière sur les ondes démarre. Tu es fait pour moi, je suis à toi, je vis pour toi, ta vie.
est mort pour me sauver, pour me donner la vie. Je te donne ma vie. Je te donne. Avec Satan, tous les jours si je gagne c'est toi. Tu guéris mes maladies et m'éloignes contre les dangers. Si je m'en sors, oui c'est toi. Quand je suis dans le pétrin, abandonné, tu résous tous mes problèmes. Je ne peux compter tout ce que tu fais pour moi, tout ce que j'ai vient de toi. Retour dans ce studio après cette musique, cette louange offerte à nous par Tonton Théo. C'est bien sûr le groupe Bantu Gospel qui nous permet de planter le décor de cette émission. Et je vous l'ai dit en introduction, nous parlons de la dîme. Que signifie la dîme? C'est quoi la dîme? Doit-on payer la dîme? Un téléphone pour nous joindre, 243 07 56 32. 243 07 56 32. Je l'annonçais, des invités partagent notre studio pour éclairer notre lanterne à la lumière de la parole de Dieu. Nous recevons dans ce studio pour la première fois dans cette émission Élie Bertrand Tchabda Junior. Il est évangéliste, il prêche la parole de Dieu de porte en porte. Élie Bertrand Tchabda, mon évangéliste, bonjour et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Charlie, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle encore ce soir. Vous êtes, c'est la première apparition dans ce studio, soyez le bienvenu, évangéliste Élie Bertrand. Merci, je crois que je serai la bienvenue chaque fois encore dans cette émission particulièrement. Et bien évidemment. Également un grand habitué de ce studio, c'est vrai que ça fait deux émissions, il n'a pas pu être avec nous pour des raisons pastorales, mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, il nous accompagne, le pasteur prophète Georges Guillaume Joe du ministère de la Fondation de la Grâce de Dieu à Niala est avec nous. Prophète Georges Guillaume Joe, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlie Bakodi, bonsoir à tous les auditeurs, auditrices de la radio Bonne Nouvelle, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Alors, nous rappelons qu'à côté de nos invités, nous aurons le pasteur Pout qui sera au téléphone et qui va participer à cette émission en direct au téléphone. Également, la participation de Franck Stéphane Novois, le co-présentateur de cette émission, qui est donc en déplacement sur Yaoundé et qui nous joindra au téléphone pour lui également donner son opinion sur cette question de la dîme. Alors, pasteur évangéliste, je commence par vous, évangéliste Élie Bertrand Tchabda. On parle de la dîme concrètement, au terme de la parole de Dieu. Oui. C'est quoi la dîme? La définition de la dîme n'est pas littéralement donnée dans la Bible. Oui. Mais en parcourant la Bible, on peut comprendre exactement ce que la Bible dit, parce que le terme de la dîme est mentionné pour la première fois dans le livre de Genèse au chapitre 14, où Abraham, rentrant du combat pour la délivrance de son neveu Lot, a payé la dîme à un certain Melchisédek. Oui. Donc, mais bibliquement parlant, et ça, tout le monde est d'accord, dîme, ça veut dire que c'est la dixième, c'est la dixième des choses. C'est-à-dire que, sans parler de langage biblique, quand on parle de dîme, ça veut dire que c'est la dixième. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez 10 oranges, vous prenez un dixième. En termes mathématiques, on parle donc de la dîme. Donc, voilà la définition claire de la dîme, que ce soit tant biblique comme dans le français. D'accord. Pasteur Georges Guillaume-Djo, la dîme? Oui, la dîme, c'est un dixième de ses revenus par rapport
à ses activités matérielles, financières, et c'est l'Éternel même qui l'a prescrit. On peut le vérifier dans le livre de Proverbes au verset 9, là où l'Éternel recommande aux enfants d'Israël de payer les dîmes. Donc la dîme, elle est biblique, c'est Dieu qui l'a prescrite. D'accord, alors le décor est déjà planté. Le téléphone pour les auditeurs, 243 07 56 32. Je vais appuyer cette définition avec le sens étymologique. La dîme vient de décat, du mot grec, qui est traduit donc dîme. Il signifie le dixième ou 10% de tout ce que vous avez. La dîme représente les prémices de tout ce que vous avez. C'est un livre, c'est le livre bien sûr de l'évangéliste Doug Ewart Mill. Le titre, c'est bien sûr « Pourquoi les chrétiens qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres ?» C'est le titre de ce livre, un livre très intéressant d'ailleurs. Alors, nous parlons avec vous, pasteur Georges Guillaume Dio. La dîme est-elle prescrite par Dieu? Est-ce qu'elle vient de Dieu alors? C'est une création des hommes. Effectivement, la dîme vient de Dieu. C'est-à-dire, j'ai cité tantôt le livre de Proverbes au chapitre 3. Dans la teneur, « Honore l'Éternel ». Proverbes chapitre 3, verset 9, honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. La dîme est le dixième de nos revenus. Chaque chrétien doit apporter la dîme dans la maison du Seigneur. Et vous allez constater à l'époque, les Israélites apportaient les prémices de leur moisson au Seigneur. Ils reconnaissaient en cela qu'ils étaient le propriétaire de la terre. Donc, vous pouvez le vérifier dans Lévitique 23, verset 10, Nombre 18, verset 12 à 13. Nous devons, nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, à notre tour payer les dîmes. Parce que la volonté de Dieu, c'est aussi ça. D'accord. Donc, évangéliste Bertrand Elie Tchabda, on parle de la dîme. Et nous avons planté le décor avec le prophète qui nous explique effectivement que la dîme, extrait de Proverbes 3, verset 9, vient être une prescription de Dieu. Exactement. Mais avant de répondre à la question, j'aimerais dire deux choses par rapport à la définition telle que donnée dans le livre de ses frères qui a écrit le livre. Oui. Dans sa définition étymologique, il est allé du grec qui pour dire que c'est 10%. Par la suite, il a embrayé sur les premiers. Ce n'est pas la première. Parce que lorsque vous regardez dans Nombre chapitre 18, tel que le pasteur l'a dit, effectivement, on voit distinctement là les prémices, puis les dîmes. Et puis j'embraye également pour essayer de corriger mon frère qui est en face. Dans le livre des Proverbes chapitre 3, il a cité les versets 5 à 10 où il a dit honore l'Éternel. Il n'est pas fait mention là-bas de la dîme. Puisque le thème dont nous voulons voir particulièrement, il s'agit de la dîme, donc il faut qu'on s'y conscrit tout autour de la dîme. Maintenant, la dîme est biblique, c'est-à-dire que l'enseignement de la dîme est dans la Bible. La question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce que cette prescription-là était temporaire ou bien ça s'étend sur toutes les alliances. Et pour dans ce cas, il faut donc qu'on arrive, il y a certains préliminaires qu'il va falloir que nous éclaircissions maintenant, parce qu'en réalité, comme dans l'introduction, vous avez dit tout à l'heure, là, les chrétiens sont tellement embrouillés. Et le simple fait qu'en ces fins de temps-ci, les questionnements commencent à arriver, ça montre que l'Esprit de Dieu est en train de réveiller les gens pour que les gens vérifient la parole telle qu'il l'a donnée. Mmh. Alors, il y a 10 ou 15 ans, on n'en faisait pas état de ces choses, de ces discussions sur le milieu de l'Église. Le simple fait qu'il y a des discussions et des débats ainsi montre qu'il y a quelque chose qui a été faussé dès le départ. D'accord. Et l'une des choses, donc, c'est cette dîme-ci. Donc, disons dans mes propos que la dîme est biblique, c'est-à-dire l'enseignement de la dîme est biblique. Par exemple, on va aller dans la Bible, j'ai cité tout à l'heure Genèse chapitre 14, Genèse 28, Malachie 3, Nombre 28, Nombre 18, Deutéronome 24, 26. On va scruter. Mais il dit donc les fondations, et c'est là où les pasteurs ont fait naufrage. La fondation, c'est ceci, c'est qu'on a mélangé les alliances. On a mélangé tellement de choses, comme par exemple le frère dit maintenant que si nous sommes enfants de Dieu, nous devons aussi payer les dîmes ou bien recevoir les dîmes. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans l'histoire de l'Église. Vous êtes d'accord que les enfants de Dieu doivent payer la dîme? Non, pas du tout. Pas du tout. Mmh. Les enfants du Seigneur ne sont pas prescrits. Quand on parle des enfants du Seigneur dans la sémantique, on peut joindre les gens, les enfants d'Israël qui sont aussi les enfants du Seigneur. Mais j'aimerais que nous utilisions les termes disciples du Seigneur Jésus-Christ, qui est le terme pour le Nouveau Testament. Comme ça, on va comprendre la chose tout au clair. Parce que chaque chrétien est d'accord qu'il y a une ancienne alliance, une nouvelle alliance. Et il y a des choses qui étaient des ordonnances imposées jusqu'à une certaine époque de réformation. Et c'est là dont le Nouveau Testament vient prescrire ces choses-là, proscrit ces choses-là et introduit donc les choses meilleures. C'est pour cela qu'à l'issue de cette... Vous dites la nouvelle alliance abolit l'ancienne alliance? Non, c'est pas ce qu'il dit. J'ai bien dit qu'il y a certaines choses qui, dans l'ancienne alliance, étaient des prescriptions fixées jusqu'à une certaine ordonnance. Et l'une des choses, c'est la dîme. On va voir dans le Nouveau Testament, effectivement. Voilà, je veux qu'on en vienne. Je vous ai posé la question, les enfants de Dieu aujourd'hui, ou alors les chrétiens. J'ai répondu à ces questions en disant non, que ce n'est pas pour eux. C'est pour cela qu'il faut qu'on entre dans la démonstration. Expliquez-nous. Pourquoi ne devrait-il pas, d'après vous, payer la dîme? La première chose, c'est que lorsque l'on voit la définition de la dîme, c'est dommage qu'on n'ait pas assez de grande attention. On avait 4 heures de temps, on pourrait bien être là-dessus. Lorsque nous voyons, par exemple, d'abord 1.
la majorité des pasteurs, sinon la totalité, et même le livre que vous tenez devant vous, si on prend, et le pasteur qui est devant moi, si on prend la Bible pour lui demander pourquoi, si on ne peut pas la dire, est-ce qu'on est maudit, il prendra Malachie chapitre 3, verset 10. Mais on va revenir tout au long de cette émission-ci. Parce que oui, il faut peut-être préciser Malachie 3, chapitre 10, qui dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Oui. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas pour vous la bénédiction en abondance. Oui, enfin, on peut, c'est facile d'aller dans la Bible citer un verset comme ça, mais tout le contexte doit être défini. Le verset dit tout. Oui, non, en fait, le verset, c'est le verset 10. Ça commence à partir du verset du chapitre 2, où Dieu a de fait des reproches aux Lévites, aux sacrificateurs. D'accord. Et dans le verset 7 jusqu'au verset 10, il parle particulièrement, vous êtes frappés par la malédiction, la nation tout entière. Donc, ça veut dire que, et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'il y ait des fondations qu'il faut que nous posions. Parce que Dieu traite avec Israël comme nation. Avec les peuples, il traite de façon individuelle. Donc, dans Malachie chapitre 3, on ne parle pas des chrétiens individuellement, encore moins des êtres individuels. Il parle de la nation tout entière. La nation d'Israël, Dieu traitait, parce que Dieu était le roi d'Israël, Dieu avait établi sur Israël les rois, et puis les sacrificateurs, et puis les Lévites qui devaient rendre service. Je veux qu'on en vienne au fait. Pourquoi les chrétiens ne doivent-ils pas payer la dîme? Voilà, parce que ça n'a jamais été une prescription. Parce qu'il y a la façon de gérer les finances chrétiennes telle que c'est défini dans le Nouveau Testament. C'est parce que, malencontreusement, c'est en 200 que Cyprien de Carthage a introduit cela dans l'Église, que désormais les chrétiens devaient commencer à payer la dîme pour soutenir le clergé. Et vous voyez très bien, c'est pour ça qu'il y a tellement de choses, des dérives qui sont entrées dans l'Église. Vous remarquez qu'en l'an 100, Clément de Rome avait introduit le terme laïque. Tertullien est venu en 150 introduire le terme clergé. Ce qui fait que le corps de Christ, qui était une unité, est devenu maintenant disloqué. Il y a d'un corps. Le corps clé, qu'on appelle aujourd'hui le clergé, c'est-à-dire que les héritiers, puis il y a de l'autre côté les laïcs. Donc ça veut dire que le corps de Christ qui est unique, vous entendez aujourd'hui le corps pastoral se réunit, ce qui est une abomination. Donc le chrétien, c'est un seul corps, il y a une seule tête qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc les chrétiens eux-mêmes ont créé une division dans le corps où il y a une classe de personnes qu'on appelle le groupe pastoral et donc les autres chrétiens doivent venir payer les dîmes. C'est cette division-là qui a fait le 35. On a comme impression que les copies de l'Ancien Testament par rapport aux Lévites, on peut venir les payer la dîme. Et ce qui n'est pas dans la Bible, on ne voit donc vous estimez que c'est le clergé qui a imposé ce terme? Je vous ai dit que les doctrines, les hérésies ont été construites dans l'Église au fil des temps. J'ai dit par exemple, si vous lisez par exemple le livre aux Minotes et Éphésiens 1 et 2, le livre d'Ignace d'Antioche, vous allez voir comment il va commencer à élever l'évêque au-dessus des autres membres du corps. Il a dit clairement dans le deuxième livre d'Éphésiens, il dit que là où il y a l'évêque, là où est Jésus-Christ. Vous commencez à comprendre. C'est ça qui a donc initié ces choses qu'on voit maintenant. Je voulais qu'on rappelle, évangéliste Bertrand Tchabla, que nous parlons aux chrétiens. Absolument. Qui peut-être n'ont pas toutes les connaissances que vous décriez dans les années 100. Donc je voulais que lorsqu'on leur explique qu'ils puissent. C'est pour ça qu'ils donnent les références. Voilà, un langage et les références, pour qu'ils puissent comprendre effectivement. Alors je reviens à vous dans un instant, le temps de me tourner vers le prophète Georges-Guillaume Diou. Prophète, l'évangéliste dit que les chrétiens ne doivent pas payer la dîme. Et pourtant, dans les évangiles, Jésus-Christ prescrit pourtant la dîme. Effectivement, ça c'est. Moi je pense qu'on n'est pas venu ici pour discuter. Et puis la parole de Dieu n'a jamais changé. C'est Dieu qui se révèle dans sa parole. Que ce soit pendant les temps anciens, tout ce que Dieu a prescrit, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Quand Christ, qui est le Fils de Dieu, qui partage de la même essence avec le Père éternel, il vient dans le Nouveau Testament, il dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Quand tu vois ce qui se passe dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ qui guérit et dit les prêts et qui recommande à ces lépreux d'aller payer ce que Moïse avait prescrit, c'est l'Éternel des armées qui donne l'ordre à Moïse comment les enfants d'Israël devaient payer la dîme et les offrandes et les prémices. Et regarde même l'Église primitive dans les Actes des Apôtres. Quand l'Église primitive commence, qu'est-ce qui a fait la prospérité de l'Église primitive? Les adhérents de cette Église, les conducteurs, vendaient les portions pour venir pour apporter les prix à l'Église. Parce que les dîmes sont là pour soutenir l'Église, pour soutenir même, parce qu'il y a des pauvres parmi nous. Ça veut dire que quand l'homme de Dieu reçoit, et ça fait beaucoup de problèmes à Ananias et Saphira, quand tu lis Actes chapitre 5, tu vois, ils viennent. L'apôtre Paul étant rempli du Saint-Esprit, il vient mentir. Donc voici l'apôtre Pierre, autant pour moi, oui. Et il vient mentir à Dieu. Donc moi, je pense. Mais prophète, est-ce que c'est des dîmes que les Ananias a fait offrir? Tout ça, c'est des offrandes. Ça fait partie des prescriptions. Ce sont des dîmes. La dîme, non, on ne peut pas. Le véritable problème, c'est que quand tu lis les Saintes Écritures, là où Dieu a prescrit la dîme et les offrandes, c'est-à-dire, on peut le vérifier même dans Lévitique. Chapitre 27 à 30 à 32, parce que le véritable problème, c'est quoi? La foi chrétienne ou l'enseignement
que nous donnons à nos disciples, tout ce qui ne cadre pas dans la parole de Dieu, c'est une hérésie pour moi. Oui. Ça, c'est ma conception. Oui. Donc, que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, ce que Dieu a dit, aucun homme ne peut changer. Oui, je suis d'accord. C'est ça le processus. Je suis d'accord, donc, frère. Moi, je parle. Laissez-moi chuter. Oui. Laissez-moi chuter. On n'est pas venu ici pour se distraire. On est venu ici pour éclairer l'opinion oui. et les gens qui nous écoutent. Oui. Ça veut dire que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ partage la même essence avec Dieu le Père, avec le Saint-Esprit. Oui. Ça veut dire que tout ce que Dieu a prévu, a prescrit dans l'ancienne alliance, Jésus est venu accomplir. Il s'est rapproché des hommes pour nous enseigner, pour nous apporter un enseignement, c'est-à-dire étant un vrai homme et un vrai Dieu. D'accord. Donc, Dieu a prescrit les dîmes, la presse pour moi. Ça, c'est ma conception. Mmh. Et c'est une conviction parce que j'ai des passages bibliques. Je peux soutenir ma thèse par rapport à tout ce que j'ai dit. Je rappelle que l'émission interactive, chers auditeurs, vous pouvez appeler 243 07 56 32. Alors, évangéliste Tchabda, oui. le Christ n'est pas venu abolir la loi, mais accomplir la loi. Effectivement. Alors, mais la loi de Malachie 3:10 n'est-elle pas. Christ ne vient-il pas l'accomplir? Le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Luc, chapitre 24, lorsqu'il expliquait aux disciples d'Emmaüs, il a soufflé sur eux, il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Oui. La Bible déclare, ainsi il est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Il a expliqué tout ce qui le concernait. Mm-hmm. Le pasteur qui est devant moi, ils sont seulement victimes du système où on a embrouillé les choses. Vous remarquez très bien qu'on parle de la dîme, à un moment donné, il glisse dans les offrandes, dans les prémices, et il va dans la Bible, dans le Nouveau Testament, des apôtres pour voir le comportement des premiers chrétiens. Mm-hmm. Et jusque-là, partout, il n'y a pas de mention de dîme. C'est pour ça que j'ai dit à l'issue de cette émission, il faut qu'on enseigne aux chrétiens véritablement la façon que les chrétiens devaient gérer leurs finances. Mais quant à ce qu'il y a des dîmes, vous allez voir dans le fonctionnement de l'église primitive, vous ne verrez nulle part la mention de la dîme. La Bible déclare que les chrétiens, effectivement, vendaient leurs biens et venaient déposer au pied des apôtres, et ce n'est pas pour soutenir le mystère. La Bible déclare que c'est. Et on faisait la distribution donc aux chrétiens qui étaient dans le besoin, selon le besoin de chacun. Ça, c'est une autre paire de manches qu'il va falloir tourner. Donc, quand il parle de la monnaie et puis de la loi que Jésus est venu accomplir, remarquez très bien quand Jésus est né dans Luc chapitre 2, on est venu le présenter dans le temple le 8e jour avec les deux tutelles que c'était selon qui était prescrit dans le livre de Moïse. Alors, je pose la question à ce pasteur qui est devant moi, est-ce qu'il a déjà présenté l'enfant à un sacrificateur avec des pigeons? Voilà un exemple seulement simple qu'il puisse comprendre. Est-ce qu'on vient présenter les enfants chez lui avec les tutelles? S'il me dit qu'on vient présenter l'enfant et puis on ne donne pas les tutelles, je vais lui dire qu'il me dise dans la Bible où est-ce qu'on doit présenter l'enfant comme ça. Parce que les tutelles étaient pour des familles pauvres. C'est pour ça qu'à un moment, ils devaient donner les agneaux. Comme ils n'étaient pas riches, ils pouvaient donner donc les pigeons. Alors, ça veut dire ceci. Voilà pourquoi il dit qu'il y a des fondations qu'il faut mettre au clair. Il y a la différence entre l'ancienne alliance. Il y a la différence entre la zone tampon, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui sont les évangiles, là où on voit l'ombre et la clarté se mélanger. La Bible déclare que Moïse est venu avec la loi, la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ notre Seigneur. Il est né sous la loi pour délivrer ceux qui étaient sous la loi. C'était normal qu'il accomplisse ceux qui sont sous la loi en pointant l'horizon comme ça vers la lumière qui est en train d'avenir. Voilà pourquoi on dit à ses disciples, donc dans Matthieu chapitre 28, allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisant le Père et le Fils et Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est très bien. Alors maintenant, Jésus-Christ dit enseignez aux disciples à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque les premiers chrétiens sont joints à l'église, 3000 personnes, la Bible déclare qu'ils persévèrent dans les enseignements des apôtres. L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 20, dit je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Donc, dans aucun des enseignements des 12 disciples du Seigneur Jésus-Christ, on ne voit la trace de c'est ma ce que, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que l'apôtre Paul, ou oui. alors Jésus-Christ, dans oui. la nouvelle alliance, oui. abolissent-ils la dîme? Nous y voilà. Tout à l'heure, à l'homme de votre propos, vous semblez citer Matthieu chapitre 23, verset 23. Et lorsque vous voyez, nous lisez Matthieu chapitre 23, verset 23, où Jésus-Christ en est donné la reproche, il dit vous payez la dîme du cumin de ceci en oubliant ce qui était important dans la loi. Il dit c'est ce qu'il fallait l'accomplir. Or là, le Seigneur Jésus-Christ ne s'adresse pas à ses disciples, il s'adresse aux pharisiens qui sont devant eux. Oui. Parce qu'en fait, il ne reproche pas ses disciples. Donc, si nous voyons l'image, nous allons voir que d'un côté, il y a le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples, et d'autre côté, de l'autre côté, les pharisiens qui ont pris en otage la loi, déjà qui n'avaient pas le droit, c'était les sacrificateurs et les lévites qui y étaient destinés. Donc, Jésus-Christ en train de leur donner, il n'est pas en train de confirmer en disant que vous allez le faire, vous devez maintenant le faire. Il dit que c'est ce qu'il fallait le faire. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit ce qu'il fallait le faire, ça suppose qu'ils ont raté les choses les plus importantes de la Bible. Enfin, puisqu'il a dit ainsi, est-ce qu'il y a. Les plus importants. Oui, les plus importants, effectivement. Puisqu'il a parlé de la justice, la fidélité, l'amour qu'on devait pratiquer. Ce sont les choses, les bases fondamentales, la justice est la base de tout le Seigneur. Et peut-être les dîmes ne sont peut-être pas les fondamentales. C'est pour ça qu'il faut qu'on aussi. Maintenant. Donc, bon, maintenant, je vais entrer en plein là-dedans. Mais juste avant, on prend un auditeur qui est au téléphone. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, frère. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Frère Mouna André. Bienvenue, frère. Nous vous écoutons. Votre contribution. S'il vous plaît, je ne vais pas être long parce que vraiment le débat a tendance à attirer l'homme. Mais je voudrais rappeler à l'évangéliste qu'il ne faudrait pas qu'il sorte le texte de son contexte.
Et je voudrais dire ceci, il essaye de mélanger les thèmes d'une avec les thèmes alliance. Aucun des thèmes n'exclut l'autre. La seule différence entre les deux alliances, pour être bref, c'est que l'une première alliance, la Bible nous dit dans Galates chapitre 3 et 4, que l'une des alliances est faite sous la servitude et l'autre est faite dans la liberté, selon la promesse. Oui. Donc, ma promesse est claire pour les alliances, c'est ça. Maintenant, quel que soit les conseils ou les instructions ou les commandements donnés dans l'Ancien Testament, ils ne sont en aucun point annulé dans le Nouveau Testament. Oui. Comme pour dire que l'ancienne alliance n'annule en rien les commandements, la nouvelle alliance n'annule en rien les commandements donnés dans l'ancienne alliance. Mm. Maintenant, pour revenir sur les dîmes, est-ce qu'on peut nous donner un texte pour dans la nouvelle alliance ou dans le Nouveau Testament, les dîmes ont été annulées. S'il le peut, bon, je lui laisserai le temps là tout à l'heure. Oui. Je voudrais revenir au niveau de la clarté à mettre entre le juif ou bien le peuple juif de l'Ancien Testament et le peuple chrétien ou bien le chrétien vu dans son unicité dans le Nouveau Testament. Dans le Romains chapitre 10, il est dit ceci que en Christ, il n'y a aucune différence entre le juif et le romain. Le païen. Oui, et le païen, oui. Parce que tous parlent un même Seigneur. Donc, il peut nous vérifier là dans l'évangile dans le petit romain, je crois, à partir du verset 9 ou 10. Bon, maintenant, s'il n'y a aucune différence entre le chrétien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous doivent avoir les mêmes commandements, les mêmes instructions, les mêmes promesses. Et dans Galates chapitre 3, il dit que c'est parce que on est hérité en tenant en Jésus, on devient hérité d'Abraham et on mérite les mêmes promesses. Donc, si on est les mêmes promesses, merci frère André, on a compris le fond de votre pensée. Merci infiniment pour votre contribution. Le téléphone est ouvert 243 07 56 32. Alors, je reviens vers vous, oui. Évangéliste Bertrand Tchabda. Oui. Le frère a posé une question. Oui. Est-ce que le Nouveau Testament, les prescriptions du Nouveau Testament, annulent toutes les recommandations de l'Éternel sur la dîme prescrite dans l'Ancien Exactement. Testament? Exactement, et je peux lire, j'ai le texte devant Dites moi. Oui, ça annule. Absolument, voici le texte devant moi. Allez-y, oui. Non, mais avant d'expliquer, je vais par exemple corriger ce qu'il a dit. Il a dit que justement il mélangeait les thèmes dîme et alliance, et c'est lui qui a dit mélanger le verset entre hors de le contexte. Dans ce Romains chapitre 10, où il a dit qu'il n'y a pas de différence entre juifs et les gentils, parce qu'ils ont un même Seigneur, c'est pour montrer effectivement, parce que dans Éphésiens chapitre 2, c'est également écrit que Jésus est notre paix, il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin, à ceux qui étaient proches, parce que les nations n'avaient pas l'espérance en Dieu. Et ce don-là, et ceux des nations dont sont venus cohériter maintenant par le sang rédempteur du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fait donc que les Juifs entrent par le même moyen que le sang entre. Or, les Juifs étaient l'image de ce qui devait venir. Dieu avait donné l'alliance et la portion aux Juifs pour montrer aux nations qu'une loi devait sortir de lui. Comme il a dit dans Isaïe là-bas que de moi sortira la loi. Donc, quand il a décidé le contexte, c'est pas pour dire que, quand l'apôtre Paul dit, c'est pas pour dire qu'on va rester les mêmes prescriptions. Puisque le problème va se poser à Jérusalem, dans Actes chapitre 15, on va voir effectivement qu'il y aura un problème de circoncision et l'observance de la loi de Moïse qui va se poser au milieu chrétien. On va effectivement dire que Lévitique chapitre 17 le dit au verset 3, qu'on les dit de ne pas de s'abstenir, on vient de sacrifier, ainsi de suite. Or, nous voyons très bien, lui-même également, je lui pose une question. Galates chapitre 3 dit clairement, et chapitre 5 dit que si quelqu'un se fasse circoncis, la foi ne lui servira de rien. Est-ce qu'il se circoncis pas, est-ce qu'il n'exprime pas la loi? Est-ce qu'il se circoncis? Est-ce qu'il enfreint la loi? La deuxième chose qu'il lui pose, c'est ceci. Est-ce qu'il mange du porc aujourd'hui? Parce que c'est écrit dans la loi clairement qu'on n'a pas mangé du porc. Est-ce qu'il mange du cerf? Est-ce qu'il mange le lièvre? Il va dire en tant que chrétien qu'il est une nouvelle créature. Pourtant, ceux de l'ancienne alliance ne pouvaient pas le faire. Donc, je vais dire ceci, il y a des choses qui étaient des ordonnances prescrites jusqu'à cette époque de réformation. C'est dans ce sens qu'il disait il faut distinguer l'alliance. Je vous ai dit que c'est les écoles théologiques qui ont embrouillé toutes ces choses, où on a pris des choses, on a mélangé. Donc, voici dans Hébreux chapitre 7, clairement, c'est révélé effectivement là-bas que c'est sur le sacerdoce de Lévitique, c'est sur le sacerdoce de Lévitique que repose donc la loi qui a été donnée à la loi de Moïse. Et la Bible déclare donc que ce sacerdoce n'en a rien amené à la perfection. Et la Bible déclare verset 12 de Hébreux chapitre 7 que ce sacerdoce a été changé et introduction d'une nouvelle alliance mise sous l'égide des Melchisédek qui n'est pas transmissible. Donc ça veut dire clairement le sacerdoce est
la dîme en premier lieu avait été donnée comme nourriture pour les Lévites qui étaient au service du temple, pour le service du temple des dieux. Donc, la Bible déclare clairement que cela a été changé, ça a été annulé. Et s'il n'y a plus de sacerdotes lévitiques, il n'y a plus de dîme. Ça a été annulé. Donnez-nous le passage. Je peux lire maintenant. Je vais lire dans Hébreux chapitre 7 et vous pouvez consulter à la maison. La Bible déclare clairement, ici à partir du verset 11, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, il dit, car c'est sur ce sacerdoce, c'est très important ici, verset 11, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur? Verset 18 maintenant, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. On va prendre un auditeur à votre suite au téléphone. Bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle la sœur Hermine Miloné. D'accord, soyez la bienvenue. Nous vous écoutons. Oui, vraiment, l'émission est tellement intéressante. Mais je vous ai dit que ce que l'évangile est en train de dire n'est pas possible. La Bible est bien et bien. Elle est bien dans la Bible. Elle est biblique. Nous devons prier la Bible. Quand il dit que la Bible n'est pas biblique, ils sont vraiment désolés. Est-ce que j'ai déclaré ici que la dîme n'est pas biblique? J'ai dit à l'aube de mes propos que la dîme était effectivement dans la Bible, mais ce n'est pas une prescription pour les chrétiens. Que la dîme, c'est pour les chrétiens. Que ce n'est pas pour les chrétiens. Exactement. La Bible de l'eau dit que la dîme, c'est pour les chrétiens. Quel verset? Quand vous dites que la dîme, ce n'est pas pour les chrétiens. Vraiment, je ne sais pas quelle dîme vous dites. Mais quel verset donc alors? Vous étiez à la radio pour dire que la dîme, ce n'est pas pour les chrétiens. Quel verset donc le dit pour le chrétien? Mon cher. Allô? L'auditrice, elle est partie. Je veux quand même qu'on recentre le débat. Nous parlons de la dîme. Il est vraiment bon de recentrer le débat. Nous nous interrogeons, est-ce que nous devons payer la dîme? Et l'homme de Dieu, le pasteur Georges Guillaume Joe, nous dit, effectivement, la Bible nous prescrit de payer la dîme. Mais en face, l'évangéliste, nous explique, d'autre part également, que nous ne devons pas payer la dîme parce que la dîme appartient à l'ancienne alliance qui a été abolie à la nouvelle alliance. Absolument. En fait, c'est même les dîmes. C'est pour ça que j'aimerais donc relancer le débat dans l'autre camp, qui nous disent laquelle des dîmes on doit payer, parce qu'il y a cinq styles de dîmes dans la Bible, qui nous explique maintenant, afin que les chrétiens soient clairs, laquelle des dîmes, des cinq styles de dîmes on doit payer les chrétiens. Bon, on va recentrer le débat. Pasteur Georges Guillaume Jo, nous parlons de la dîme. Vous nous expliquez qu'il faut payer la dîme. Est-ce que c'est obligatoire? C'est obligatoire de payer la dîme. Le véritable problème, c'est la que, oui, non, le véritable problème, c'est quoi? C'est que selon le plan de Dieu par rapport à l'homme, tu vois, Dieu a fait des enfants de Dieu et des serviteurs des sources de bénédiction. Ça veut dire, quand tu lis la promesse de bénédiction dans Deutéronome, dans les psaumes, ainsi de suite, tu te rends compte que nous devons payer la dîme. Et ça fait que ce soit dans l'ancienne alliance, la dîme était destinée aux Lévites qui avaient la charge des sacrificateurs dans l'ancienne alliance. Et quand tu vois dans 1 Corinthiens au chapitre 9, si tu peux lire 1 Corinthiens au chapitre 9, verset 13 à 14, tu vas comprendre comment l'apôtre Paul donne des instructions à ceux-là qui étaient dans l'église de Corinthe. Oui. C'est-à-dire de soutenir l'œuvre de Dieu, parce que on ne doit pas jongler les mots. La dîme des offrandes, c'est-à-dire dans le livre de Lévitique, si tu parcours le livre de Lévitique, Dieu donnait les instructions à Moïse de prescrire la dîme et les offrandes. C'est-à-dire, et dans l'ancienne alliance, Jésus-Christ demande Au lépreux, il a guéri, dit lépreux, il dit que va payer ce que Moïse a prescrit. On est dans l'ancienne alliance. Oui, d'accord. Je vais lire ce passage qui va nous édifier. Néhémie, vous allez dire c'est l'ancienne alliance. Oui. Néhémie 10, non. 35 à 30. Après 1 Corinthiens. Oui, on va revenir sur 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2. Néhémie 10, verset 35 à 37, nous dit d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi. Voilà, par exemple, s'arrête là. Alors, maintenant, on va revenir, pasteur, sur vous avez dit, on lit 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 13. Oui. 1 Corinthiens, chapitre 9, c'est bien cela, verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel, de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Voilà.
Alors, donc pasteur, ça veut dire que juste... les hommes de Dieu vivent de l'évangile à travers la dîme. À travers la dîme, à travers les offrandes. Personne ne peut discuter là-dessus. Frère. C'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a prescrit. Oui, c'est oui, ça, oui c'est frère. Ça, le frère, je suis d'accord avec les Écritures. Oui. Mais la question qu'il veut poser, c'est nous parlons de la dîme. Dans ces propos de l'apôtre Paul, où est-ce qu'il a pris la dîme, par exemple, l'apôtre Paul, lui, ou bien les autres chrétiens de l'ancienne, de la Nouvelle Alliance, où est-ce qu'ils ont pris la dîme pour vivre avec? C'est ce qui me pose comme question. Les offrandes, je dis dans les livres de les offrandes sont des choses différentes de la dîme. Il n'y a même pas de différence. C'est les mots qui ça dit, c'est juste. Oui, parce que Néhémie parle de prémices. Voilà, il parle de prémices. En fait, dans prémices, il y a offrande parce que oui, enfin, est-ce que le livre de la Nouvelle Alliance change le livre de l'Ancienne Alliance, mon frère? Je vais expliquer. Parce que lorsque le prophète Néhémie dit apporter chaque année les prémices de vos récoltes, voilà. Il ne s'agit pas-t-il pas de la dîme là dans ce sens? Non, c'est pas cela. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'à l'aube de mes propos que la dîme est différente du prémice. Si vous prenez le nombre au chapitre 18, vous allez voir effectivement qu'on parle des prémices puis des dîmes. Donc il y a différence entre prémices, dîmes, offrandes. C'est aussi clair que possible. Nous avons, lui et moi, nous avons convenu que la dîme, ça veut dire 10%. Quand on dit 10%, ça ne peut pas être les prémices. Quand on dit les prémices, ça veut dire que toutes les prémices devraient être consacrées à Dieu. Oui. Mais c'est que ce qu'on dit dans cette Néhémie chapitre 10, verset 35, on dit apporter au sacrificateur. J'aimerais que quelqu'un m'explique. On a dit dans la maison de Dieu. Mais, on me dit dans la Nouvelle Alliance, qu'est-ce que c'est que la maison de Dieu et, qui est sacrificateur et qui est le peuple qui doit apporter? Évangéliste, oui. Évangéliste Tchabda. Oui. Est-il mal d'apporter des biens pour la maison du Seigneur? Non, la maison du Seigneur dans le Nouvel Alliance, ce sont les chrétiens. C'est ça, je me suis à expliquer ça. C'est pour ça que c'est très important. Mais effectivement, parce que parmi les chrétiens, nous avons des pauvres, nous avons des démunis. C'est pour cela, est-il mal d'apporter des offrandes, des actions, des biens? Ce n'est pas mal, mon frère. C'est pour cela que dans la Bible, la Nouvelle Alliance prescrit la libéralité au milieu chrétien. C'est aussi simple que possible. Le peuple chrétien, c'est le peuple qui doit être connu par l'amour. Effectivement. Je dis tout simplement qu'on a copié des choses dans l'Ancienne Alliance. En fait, si les chrétiens vivaient comme les Actes des Apôtres nous les présentent, il n'y aurait pas, il parlait tout à l'heure de la bénédiction, de la prospérité. C'est parce que les chrétiens manifestaient l'amour les uns envers les autres, effectivement. Mais quand on les entend dire. Vous n'avez pas tout parlé par rapport à ce débat. Oui, frère, il faut ressentir le débat. Oui. Le véritable problème, c'est qu'on ne doit pas détourner l'attention des chrétiens. Oui. Parlons de la bénédiction. Est-ce que le projet de la bénédiction que Dieu a établi a fait dans l'Ancienne Alliance change dans la Nouvelle Alliance? Mais c'est faux, c'est pas normal. Bon, donc on ne va pas. Jésus-Christ existe dans l'Ancienne Alliance comme l'ange de l'Éternel, par exemple. Oui. Il existe. Oui. C'est-à-dire Dieu l'utilisait comme l'ange, c'est-à-dire par rapport aux différentes missions. Oui, frère. Ça veut dire qu'il existe depuis la création. Oui. Alors c'est la même chose avec les dîmes, les offrandes. C'est-à-dire, il y a. Vous avez tiré une conclusion, mais je veux qu'on ne parle pas d'une. Pas une conclusion. Oui, je vous ai fait lire en Corinthiens par rapport. On ne parle pas de la dîme. On ne parle pas de la dîme. Je suis d'accord avec vous, n'est-ce pas? Dans ce 1 Corinthiens chapitre 9, il parle de la bienfaisance depuis au chapitre 8. Je vais dire ceci. Si on parle des offrandes, il y a la manière des offrandes dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que tant qu'ils ne comprendront pas qu'il y a des prescriptions dans l'Ancienne Alliance qui étaient uniquement pour les Juifs. Par exemple, on parle de plein de propositions qui étaient une loi perpétuelle pour Israël. On va prendre un auditeur qui est au téléphone. Allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bienvenue. Oui. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je suis le pasteur Tim. Bonsoir, pasteur Tim. Soyez le bienvenu. Nous vous écoutons. Oui, je remercie d'abord mon frère évangéliste, Chad Dara. Bonsoir, mon frère. Courage. Bonsoir, mon frère. Et en fait, je dis qu'il n'a pas certainement raison parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance et... selon la révélation de l'œuvre rédemptrice de Christ sur la croix, qui a été révélée à l'apôtre Paul, la dîme a été complètement et totalement abolie. Le Nouveau Testament abolit toute la loi cérémonielle, amen, y compris la dîme. Ce que la loi n'abolit pas, c'est la loi morale. Amen. On peut considérer Exode 20 pour ça. Mon frère a excité Acte 15. À partir du verset 10, vous allez voir que c'est Pierre lui-même qui faisait un reproche aux disciples qui voulaient imposer les rites cérémoniels de Moïse aux disciples. Il disait bien là-bas que ni eux ni le père n'ont pu porter ce genre de joug. Et Hébreux 7 est clair là-dessus. Le prophète est bel et bien clair. Et dans Galates dit que Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Donc nous laissons tous les hommes sur le joug à servitude. Je suis de l'œuvre le pasteur qui trouve que les chrétiens qui doivent apporter à manger, en nous, nous sommes prêtres et sacrificateurs selon Apocalypse 5, 10, même 1, 6. Tout est aussi clair que ça. Je suis fatigué et de ce loup à tenir d'agneau qui se disent pasteur, qui veut la série, les chrétiens aujourd'hui, qui s'enrichissent à des chrétiens d'approbis.
Merci beaucoup, je vous remercie. Merci, pasteur Tim. C'est vrai qu'il y a des pasteurs qui abusent en parlant de dîmes. Mais nous voulons rester dans le principe. On est d'accord que le Seigneur, à travers les Saintes Écritures, a prescrit le paiement de la dîme. Parce que tout est écrit, Lévitique 27, 30, toute dîme de la terre, soit les récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, soit du bétail, appartient à l'Éternel. Oui. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Donc, on est d'accord que là, on parle de la dîme et elle est prescrite par Dieu. Amen. Mais ce que vous apportez, c'est que dans le Nouveau Testament, oui, eh bien, l'apôtre Paul et Jésus-Christ annulent ces prescriptions de l'Ancien Testament. Absolument. C'est ce que vous dites. Absolument. Donc, ils annulent la dîme. Absolument. Mais prophète, vous dites que non, par contre, Jésus, lui, nous prescrit la dîme. Jésus prescrit, après avoir guéri dit lépreux, oui, il a demandé, va payer auprès des sacrificateurs. C'est autre chose, c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. Mais qu'est-ce qu'il envoie payer à l'évangile? Il y avait des offrandes sacrificielles par rapport à la purification des lèpres. Par exemple, maintenant, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus ça, parce qu'il n'y a plus des sacrificateurs où on va aller se présenter, parce que tous les chrétiens sont des sacrificateurs. C'est ce que le président Augustin disait. Donc, il remarquait très bien que depuis, il dit qu'on ressent le débat, mais il a parlé des prescriptions autre que la dîme. Là, il s'agit des tutorelles. Pour le cas des tutorelles, je vais vous montrer. Pour le cas de ces dix lépreux, elle va vous montrer chez le sacrificateur. Mais voici la Bible. Si on centre le débat, pasteur. Je vous dis, le véritable problème, c'est quoi? Oui. Nous allons à l'ancienne alliance, que ce soit l'ancienne alliance, oui, à la nouvelle alliance. La parole de Dieu ne se contredit pas. Je suis d'accord. Donc, est-ce qu'il y a les lévites en milieu chrétien? Ne venez pas jongler les mots pour dire qu'on ne prescrit pas la dîme, on fait ceci. C'est Dieu qui a prescrit la dîme. Okay. Et les offrandes dans l'ancienne alliance. Non, pourquoi les offrandes se retrouvent alors dans la nouvelle alliance? Non, les offrandes même de la nouvelle alliance sont différentes de celles de l'ancienne alliance. Non, ça, c'est autre chose. Mais mon frère pasteur, j'aimerais bien que les chrétiens comprennent. Nous sommes là pour éclairer les chrétiens. J'ai dit tout à l'heure à l'ordre de mes propos qu'il y a cinq styles de dîmes. L'explication même de ces cinq styles de dîmes met au détail de nuit tous les pasteurs qui prennent les dîmes. Parce que dans tous les versets, vous allez lire sur les dîmes, et lui-même est devant moi, il n'y a pas une seule mention de la Bible où en un endroit on a payé la dîme avec de l'argent. Mais chaque fois qu'il parle de la dîme là, vous allez voir maintenant que c'est eux qui vont tordre pour dire que ce sont vos revenus. Et puisqu'on dit, on parle d'un dixième des revenus. En fait, les revenus, elles peuvent être agricoles ou bien. Non, ça, c'est l'interprétation. On va prendre un auditeur qui est au téléphone. Oh, allô, bonsoir. Allô? Allô? L'auditeur est connecté. Allô, bonsoir. Bon, il est parti malheureusement. L'auditeur s'en est allé. Nous revenons avec vous, évangéliste Tchabda. Oui. Je t'en ai dit donc l'explication, parce qu'il faut. Nous ne sommes pas là pour seulement pour. De toute façon, nous allons tous rendre compte à Dieu pour ces paroles que nous prononçons. Ouais. Je vais dire que il y avait cinq styles de dîmes. Le premier style de dîmes, c'est la dîme que les Israéliens devaient présenter, donner aux Lévites. Et Nombre chapitre 28, verset 24, 26, à partir du verset 26, nous dit clairement que à leur tour, lorsque les Lévites devaient prendre cette dîme-là, étant présents à la maison du trésor, ils devaient apporter la dîme de la dîme également aux sacrificateurs. Et maintenant, il y a un deuxième style de dîme, un troisième style de dîme, que c'était la dîme donnée aux orphelins et aux veuves et aux pauvres. Un troisième style de dîme qu'on devait manger en pèlerinage, la dîme chaque trois ans qu'on devait manger à Jérusalem. Il y a un quatrième style de dîme maintenant, que c'était la dîme que la famille devait se déplacer. Et le cinquième style de dîme, c'est dans un roi au chapitre 8, lorsque Israël demandait un roi pour son peuple, et Dieu leur a demandé que ce roi-là va prendre la dîme sur ton peuple. Il va prendre les prémices également. C'est également mentionné là-bas dans un roi au chapitre 8. Donc on voit qu'il y a cinq styles de dîme dans la Bible. Alors je pose la question chrétien toujours. Quand vous dites que c'est en harmonie, la Bible est en harmonie, laquelle de ces cinq styles de dîmes doit-on payer? Bon, mais revenons également, répondons oui, à travers peut-être Proverbe 3, oui, verset 9 et 10 qui il dit, n'est pas fait mention, honore l'Éternel avec tes biens, oui, et avec les prémices de tout ton revenu. Absolument. Alors tes greniers seront remplis d'abondance, oui, et tes cuves regorgeront de mou. Voilà. On est d'accord avec cette prescription? Nous sommes d'accord. Mais on doit honorer l'Éternel avec les prémices de nos revenus? Oui, mais il ne s'agit pas des dîmes. À l'église, non. Bon, peut-être les termes diffèrent, mais oui, est-ce que nous, en tant que chrétiens, devons-nous honorer l'Éternel avec les prémices de nos revenus? Après les dîmes et les offrandes, non, moi je suis d'accord. C'est le mot dîme qui pose le problème. Effectivement, nous sommes ici pour la dîme, pas les prémices. Donc peut-être c'est le mot dîme qui dira. Parce que là, si on est d'accord qu'on doit honorer les offrandes avec les prémices de tout notre revenu, absolument, absolument. Quand quelqu'un est chrétien, il appartient totalement au Seigneur. Il veut démontrer qu'il est souverain par rapport au bien matériel, au bien financier. Il dit dans AG parce que. Prophète, on va prendre l'auditeur. Allô? Allô, bonjour mon frère. Oui, bonjour frère. Comment est-ce qu'on vous appelle? C'est moi qui reviens, frère Nona André. Oui, allez-y frère. Deux minutes, oui. Allez-y.
Voilà, je reviens un peu parce que le frère, ça me dit une chose et son contraire. Je parle de l'évangéliste. Oui. Et il est d'accord avec le frère pasteur qui a dit tout à l'heure que le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance a aboli les sciences cérémonielles. Je suis d'accord. Maintenant, c'est ce que le frère est en train d'appuyer en disant, par exemple, il a dit à l'Église, arrête. Ça, c'est vrai, c'est ce que même le Nouveau Testament a fait. Maintenant, la Bible dit qu'on a changé de sa tête. Je suis la seule de l'Église. Donc, attendre la porte de la vie, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui a aussi la prémisse qu'on peut lancer l'alliance. Donc, quand on demande qui est de donner la vie, de préserver la vie, ou bien de donner les offrandes, ou bien de faire le jeûne, cela n'a jamais été aboli, mais c'est la cérémonie, c'est la question cérémoniale qui a été. Et on est dans la nouvelle alliance qui nous tend vers la perfection. Maintenant, tout à l'heure, il a dit tout à l'heure qu'on peut lui montrer un verset. Lui, il n'a pas encore montré un verset qui abolit la vie. Par contre, dans la nouvelle alliance, Jésus continue à parler de la vie. Oui. Il a dit apporter ce qui, dans Matthieu 23, il a lu tout à l'heure. Effectivement. Faites d'abord ce qui est important, la justice, la miséricorde et la charité. Et puis vous ferez les moins importants qui sont la vie. La vie même est la moins importante. Et puis, s'il continue à abolir la vie qui est la moins importante, il va finir par abolir les plus importants qui sont la justice, la miséricorde. Donc, je reviens donc pour dire qu'il n'a pas encore montré un verset qui a abolit la digne dans le Nouveau Testament. Oui, oui. De 1, il a cité Hébreux 7 qui parle de verset-là. Le verset-là n'a volé pas la digne, mais il a volé le sacerdoce. Oui. Et donc, ça veut dire quoi? L'ordonnance qui entre dans le cadre des prescriptions cérémonielles. Oui. J'en ai pour le voilà. D'accord, merci. Nous étions tout à l'heure avec le prophète. Prophète, vous allez terminer. Donc, j'étais en train de dire que par rapport aux offrandes, aux dîmes, Dieu est en train de démontrer sa souveraineté par rapport aux biens matériels, aux biens financiers. Et ça fait que on peut le prendre Agée, chapitre 2, verset 8. Ça veut dire que si Dieu accordait de l'argent et l'or aux hommes et femmes dans l'ancienne alliance, il n'a pas changé jusqu'à nos jours. Ça veut dire que si on abolit la dîme dans l'ancienne alliance, ça veut dire que Dieu doit aussi changer dans la nouvelle alliance. Je ne suis pas d'accord de cet enseignement. On ne doit pas jongler sur les mots pour semer la distraction dans le milieu chrétien. De Genèse, Apocalypse, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains pasteurs qui disent qu'ils ne prêchent plus l'ancienne alliance. C'est faux. C'est pas normal. C'est la même parole de Dieu. Et Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est des personnes de la même essence, ça dit de la même essence, mais des personnes distinctes. Ça veut dire que chacun joue son rôle. Et c'est ça la vérité. Bon. Et d'accord. Donc, je rappelle aux auditeurs que oui. Vous, évangéliste Chabda, vous avez dit que vous êtes d'accord avec la parole de Dieu qui nous interpelle à apporter à la maison du Seigneur les prémices de nos revenus. Absolument. Les prémices de nos revenus. Que, oui. Mais vous dites les prémices, mais pas la dîme. C'est pas la dîme. C'est d'accord. Si vous permettez, j'ai lu dans la Bible. Il a même posé le problème que vous n'avez démontré aucun verset qui a volé la dîme. Nous revenons sur ce verset tout à l'heure. Un auditeur encore en ligne. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Le papa Chunda. Bon, je n'ai pas, pas compris. Vous avez dit? Papa Chunda. Pasteur Chunda. Nous vous écoutons, pasteur. Oui. Allez-y. Oui, de Brazzaville. Allez-y, pasteur Chunda. Je vais intervenir pour tout ce problème. Allez-y, vous avez deux minutes. Nous vous écoutons. Il faut savoir qu'il y a la différence entre le christianisme et la religion. Oui. En ce qui concerne la dîme est pour les religieux. Et le monde est lancé en arrière dans la religion. Et si tu es chrétien, tu ne dois pas manifester la dîme parce que Jésus-Christ, ton sang a été coulé pour nous laver, pour nous ramener dans la nouvelle alliance. Et avec Jésus... Pasteur, allez-y, vous êtes en direct. Alors... avec Jésus, le temple a été ouvert pour que tout le monde entre. Ce n'est pas question de dîme. Je peux donner toute mon offrande à l'église. Mais la dîme, c'est la loi. La dîme, c'est la loi. C'était pour les lévites. Les lévites qui n'avaient pas la portion de terre. Ah oui, c'est là où la dîme a été créée. Et donc, la dîme n'est pas... La dîme est une loi. Et Jésus-Christ est venu abolir. Jésus est venu
Accomplir. Pas abolir, mais accomplir. D'accord. Merci, Pasteur Tunda. Pasteur Tunda, merci. Donc, voilà. Je veux recentrer les choses pour les auditeurs qui nous écoutent. Oui. Vous avez dit, nous sommes d'accord avec ça, que nous devons, en tant que chrétiens, apporter à la maison du Seigneur les prémices de nos revenus. Il y a des propos, il y a des thèmes qu'il faut corriger. J'ai dit encore, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de maison de Dieu en dehors des chrétiens. C'est pour ça qu'il dit que l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, il faut faire attention. Il n'y a pas un seul verset dans la Nouvelle Alliance qui parle de la maison de Dieu quelque part en dehors des chrétiens. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est un. Oui. De deux, Hébreux chapitre 7, abolit le sacerdoce lévitique. Si ça abolit le sacerdoce lévitique et quelqu'un me dit qu'il n'y a pas un seul verset qui dit qu'on a annulé, on dit que c'est ce sacerdoce qui repose la loi qui a été donnée donc au Lévite, au peuple. Si le sacerdoce est aboli, où est-ce qu'on va apporter donc la dîme? Ça, c'est un. De deux, les chrétiens, tous ceux qui sont les soutenus, qu'il faut payer la dîme, je pose la question ici, laquelle des dîmes, des cinq styles de dîmes, les chrétiens doivent-ils payer? J'ai cité cinq styles de dîmes ici, j'attends toujours qu'on me dise laquelle les chrétiens doivent payer. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est ce qui? La Bible déclare, il y a un auditeur qui a cité tout à l'heure, Apocalypse chapitre 5, le verset 20, qui dit clairement que nous sommes tous sacrificateurs. Dans l'ancienne alliance, lorsque les dîmes payaient, les lévites payaient la dîme aux sacrificateurs, les sacrificateurs n'en payaient pas. Que le pasteur qui est devant moi, le prophète qui est devant moi, me dise pourquoi un chrétien doit lui payer la dîme. On va prendre l'auditeur au téléphone. Bonsoir. Allô? Oui. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? C'est la sœur Hermine qui revient. Oui, allez-y. Le frère a posé la question qu'on doit lui dire, on doit, quelle dîme on doit payer. Moi, je vais lui dire que la dîme que nous devons payer, c'est la dîme de nos revenus. Par exemple, comme nous travaillons, nous devons payer la dîme. Pourquoi pas les autres? Pourquoi tu ne payes pas la dîme au chef de l'État? Nous payons la dîme. Le chef d'État n'est pas la personne appropriée à payer la dîme. C'est écrit dans 1 Samuel chapitre 8 qu'il faut payer la dîme au roi. On nous a dit dans le livre de Malachie. Oui. Apporter dans la maison du trésor. C'est où alors? C'est là où nous servons Dieu. Ah, c'est ça. Donc c'est ça la maison du trésor. Oui, c'est là la maison du trésor. C'est ça la maison du trésor. Nous devons apporter nos dîmes et nos offrandes dans la maison du trésor. Non, c'est le dixième de nos revenus que nous devons apporter dans la maison du trésor. Et pourquoi la dîme de la troisième année, vous ne payez pas? Pourquoi? Nous connaissons la dîme, le dixième de nos revenus que nous avons. Mais la Bible, puisque la Bible est en harmonie, pourquoi ne payez-vous pas la dîme de la troisième année, la dîme des orphelins? Vous les faites comment? Il n'y a pas ça dans la Bible. Il n'y a pas ça dans la Bible. Vous avez suivi. Voilà donc la preuve. Donc ça veut dire qu'ils ne connaissent pas les styles des dîmes. Parce que si ce que vous dites à vous, vous n'avez pas l'esprit de Dieu pour pouvoir vous orienter. Je vais vous lire Deutéronome. Je vais donc vous lire. Vous devez pouvoir parler la dîme derrière. Donc, vous permettez donc, je vous lis. Les gens comme vous, c'est vous qui prenez la dîme derrière. Oui. Vous ne voulez pas faire savoir aux gens que vous prenez la dîme que le Seigneur lui-même. D'accord. Oui, merci à l'audience. Vraiment dans la, parce que le frère est en train de parler des offrandes, des dîmes. Attendez, le véritable problème, c'est quoi? Si on parle des dîmes et des offrandes, ça dit dans Lévitique, vous tenez compte de l'Ancien Testament, on parlait des dîmes et des offrandes. Non, le thème, c'est la dîme, tout simplement. Parce que toutes les offrandes, ça va être vaste. Il y a plusieurs styles d'offrandes dans la Bible. Donc, le véritable problème, c'est quoi? Parce que votre problème, c'est quoi par rapport au sacerdoce? Ça dit qu'on ne doit pas soutenir ainsi de suite. Pour vous démontrer que, ça dit quand tu lis le livre de 2 Corinthiens au chapitre 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne sans tristesse avec joie. Attends, je continue. Oui, continue. Et il y a Actes des Apôtres au chapitre 20, verset 35. Oui. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant. En travaillant qu'il faut soutenir les faibles, et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Mais pasteur, est-ce que juste là, il y a un dîme quelque part? Laissez-moi, je vous démontre les passages dans la Nouvelle Alliance qui s'agit, c'est la même chose. Les offrandes ne sont pas les dîmes, pasteur. Comment vous pouvez dire des choses comme ça là? Puisque quand vous faites les offrandes, c'est la même chose, c'est la parole de Dieu. Non, c'est la parole de Dieu, mais nous parlons d'un sujet. Non, nous parlons d'un sujet. Mais c'est la dîme distraire par rapport à ce sujet. Non, c'est vous qui entrez. Le véritable problème, laissez-moi, je vous démontre encore d'autres passages. Oui. Qui parle de la dîme? 2 Corinthiens au chapitre 8, verset 12. Oui. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle... Pasteur, nous allons prendre Franck Stéphane Mevoix qui est en direct depuis Yaoundé. Franck, bonsoir. Bonsoir Charlie Bakouti, bonsoir à tous les panélistes ce soir. C'est vrai que je n'ai pas les noms de ceux qui sont là,
Peut-être si tu peux me les rappeler bien pour sûr, que je puisse nommément les citer. Nous sommes en compagnie de l'évangéliste Bertrand Tchabda et du pasteur Georges-Guillaume Dio. Alors, révérend pasteur Georges-Guillaume Dio et l'évangéliste Tchabda, bonsoir à vous. C'est un plaisir de partager bonsoir, avec vous bonsoir. Ce soir. Alors, Franck Stéphane Mevoy, nous parlons de la dîme et une petite contradiction nous anime dans ce studio avec l'évangéliste Tchabda qui estime que le Nouveau Testament abolit les prescriptions de l'Ancien Testament sur la dîme. Quel est votre avis là-dessus, Franck? Le Nouveau Testament, je n'ai pas bien compris votre question. Que le Nouveau Testament abolit les prescriptions de l'Ancien Testament sur la dîme. Auquel cas, d'après le Nouveau Testament, on ne devrait plus payer la dîme telle qu'instituée dans l'Ancien Testament. Quel est votre avis? Non, on ne pourrait pas dire que le Nouveau Testament abolit quoi que ce soit. Je crois que les deux entités se complètent. L'Ancien Testament a annoncé le Nouveau Testament. Jésus-Christ lui a dit qu'il est venu pas abolir la loi, mais pour l'accomplir. Ça veut dire qu'il y a une certaine continuité. Il est venu accomplir la loi et la parfaire, bien entendu. Donc, il n'y a pas une discontinuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On part d'un point A pour arriver à un point B. Le point A qui est l'Ancien Testament, le point B qui est le Nouveau Testament, tout simplement. Donc, vous pensez qu'un chrétien doit payer la dîme? Oui, moi, je pense que, et d'ailleurs, je le fais. Je pense que un chrétien devrait le faire. Et c'est tout à fait normal de payer sa dîme. Bon, mais non, ça, c'est Dieu le dit comme ça, l'entrée du jeune. Maintenant, comment est-ce qu'on paye? Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui sont des arnaqueurs, qui arnaquent pratiquement le peuple de Dieu. Là, je suis contre cette pratique. Mais payer la dîme, le dixième de ses revenus, c'est prescrit dans la parole de Dieu. Moi, j'observe cette prescription, tout simplement. D'accord. Merci Franck Stéphane Mevoy. Oui. Charlie Bakoudi, moi je voulais te poser aussi une question. J'ai pas pu être là ce soir, je vais peut-être poser une question aux révérends qui sont oui. En studio là. Allez-y Franck, allez-y. Franck, allez-y, vous avez 30 secondes. Oui, allô? Allez-y, allô? Vous avez 30 secondes, oui, allez-y. Je voulais demander qu'est-ce qu'il pense de pasteur aujourd'hui qui prêche l'évangile de la veuve de Sirecta. On a cette pasteur-là qui dit aux fidèles vraiment, il faut tout donner tout pour vos besoins, pour que le Seigneur puisse vous bénir. Qu'est-ce qu'il pense de ces hommes de Dieu? D'accord, merci Franck. Votre question a été enregistrée et les hommes de Dieu vont répondre tout à l'heure. Pasteur Georges Guillaume-Dio, que pensez-vous des pasteurs qui prêchent l'évangile de la veuve de Sirecta avec l'histoire d'Élie? Allez-y. Donc, je ne suis pas d'avis avec des pasteurs qui prêchent l'évangile de la veuve de Sirecta. Parce que quand tu lis les Saintes Écritures, le pasteur, le chrétien est la source des bénédictions. Dieu a fait des promesses de bénédictions au pasteur. Il suffit au pasteur d'être dans la volonté de Dieu, de vivre avec Dieu. La bénédiction va déclencher dans sa vie. Et tout au plus, le pasteur doit travailler. Il ne doit pas s'attendre à un salaire quelconque parce que nous sommes des envoyés. Et quand le pasteur travaille, c'est comme un planteur qui cultive son champ, met l'engrais pour accroître la production de son champ. Nous sommes des sources de bénédiction. Donc je ne suis pas d'avis au pasteur qui prêche l'évangile de la veuve de Sirecta. D'accord, nous prenons notre auditeur au téléphone. Bonsoir. Bonsoir, je suis l'évangéliste Kao Kumban. Bienvenue évangéliste, votre avis en une minute. Bon, la première chose, c'est que la dîme est publique dans le Nouveau Testament, qui n'a pas été proscrit, qu'on ne paye pas la dîme. Oui. Deuxièmement, la maison de Dieu, ce n'est pas la chapelle, la salle de réunion. Oui. Dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 19, la Bible dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Oui. Mais vous êtes concitoyens, des gens de la maison de Dieu. Oui. La maison de Dieu, c'est nous qui formons la maison de Dieu. Et ça fait donc que lorsque le peuple est rassemblé quelque part, il forme la maison de Dieu. Et là, on a le droit de payer ça. La dîme est publique. Et tous ceux qui disent le contraire, moi je crois qu'ils n'ont pas compris. J'ai personnellement le témoignage de Dieu. Quand je me suis rebellé, j'ai manqué de payer ma dîme. J'ai récupéré mon champ dans le sommeil. Dieu m'a donné une vision où j'ai vu mon champ en train de sécher. Et quand je me remets, Dieu me dit non, attention, c'est parce que tu as volé ma dîme. Je suis allé me muer dans mon champ. Et là, je me rappelais, quand je veux dormir, le monde pour moi, le champ avait fleuri. Alors, après, le champ a repris sa forme. Donc, la dîme publique, tous ceux qui s'opposent à cela, moi, je crois qu'ils sont complètement hors du plan de Dieu. Merci. Merci, évangéliste. Merci infiniment. Tellement d'auditeurs veulent réagir. Nous avons le frère Eugène Donfa qui est au téléphone pour 30 secondes. Eugène, bonsoir, allez-y.
Ah, il est parti malheureusement. Malheureusement, il est parti. Alors, évangéliste, quelle est votre réaction par rapport à cela? J'ai dit encore une fois. Vous avez un évangéliste comme vous qui a eu un témoignage vivant du Seigneur. Oui, il y a des gens qui ont le témoignage, qui ont eu la Vierge Marie leur apparue et les choses sont manifestées. Nous ne pouvons pas sortir de l'Écriture pour regarder. Donc vous persistez qu'on ne doit pas payer la dîme. Vous coupez l'évangéliste. Excusez-moi. Oui. Vous ne pouvez pas dire que nous sommes des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Oui. Si Dieu est apparu pendant la Sainte Alliance, il le fait jusqu'à nos jours. Il y a des gens que Dieu visite. Prophète, mais c'est ça qui tue donc. C'est ça qui arrive. Je n'ai pas dit qu'il avait une relation de Dieu. En fait, par rapport à vos réponses, c'est pas normal. Non, je vais dire ceci. Je n'ai pas dit que sa révélation n'est pas bonne. Je vais seulement dire ceci. Je vais dire qu'en réalité, on ne doit pas se baser sur la révélation. Je ne peux pas aller commenter sa révélation parce que c'est pour ça qu'il a pris un exemple. Il a un témoignage de sa révélation. Même Jésus a dit aux pharisiens. Prophète, les gens ont rendu témoignage des vierges de Fatima. Le témoignage est faux d'après la Bible. Mais je vais dire ceci. Je m'en tiens à l'écriture qui dit. Par exemple, qu'il y a 5 styles de dîmes. Tous les auditeurs qui sont appelés et les partisans, et c'est pas mais ce ne sont pas encore aux hommes. Absolument, absolument. Alors, pas venu par le. Il n'a pas suivi. Est-ce que les pasteurs, eux aussi, doivent payer la dîme? Effectivement. Même les pasteurs. Vous payez à qui? Oui. Attendez. Le pasteur doit payer la dîme. Oui. Normalement. Okay, il y a des pasteurs, ont des modérateurs, ils ont des chefs hiérarchiques au niveau de l'église. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc ça fait que je dois payer ma dîme à mon chef hiérarchique. Et je dois payer ma dîme, c'est-à-dire par rapport aux bénédictions que je reçois du Seigneur. Et le dernier chef hiérarchique, doit se payer à qui alors? Le dernier chef hiérarchique chez vous là, quand vous payez ainsi, parce que ça va aller de façon transcendante. Et le dernier va payer à qui? Je vais dire ceci. Et peut-être payer au peuple, parce que la dîme aussi appartient au peuple. Voilà. Dans ce cas, pourquoi donc il y a la dîme que le peuple devait manger devant le temple? Mais en tout cas, lorsqu'on apporte les prémices du repas, c'est pour le peuple. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la nouvelle alliance. C'est pour ça qu'il fallait définir des choses ici dès le départ. Oui, nous sommes tenus par le temps, évangéliste Chapdan. Nous sommes obligés de conclure le programme. Parvenus au thème de cette émission, nous vous disons merci de votre contribution. Vous étiez effectivement très nombreux au téléphone à nous joindre. Pasteur Georges-Guillaume Djo, évangéliste Chapda Bertrand. On se quitte quand même avec cette note en disant que vous recommandez quand même au peuple de Dieu d'apporter les prémices de leurs revenus à la maison du Seigneur. Non, pas à la maison du Seigneur. Que les chrétiens vivent l'amour tel que la Bible le prescrit, tout simplement. D'accord. Moi, je recommande que les chrétiens apportent des prémices et des dîmes dans la maison du Seigneur. C'est biblique. Mm-hmm. C'est-à-dire, l'ancienne alliance n'abolit pas la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance n'abolit pas, effectivement. C'est ça la vérité. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été si nombreux à l'écoute de ce programme. Merci, tonton Théo et toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour un autre thème tout aussi intéressant. Mais merci encore à tous. Restez en compagnie des programmes de Radio Bonne Nouvelle qui se poursuivent. Au revoir. Fais descendre ta puissance parmi nous.